Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur une sableuse de 220 litres. Alors cette sableuse, elle est très très bien. Ce que je tiens à vous informer là-dessus, c'est qu'au niveau compresseur, il vous faut quand même quelque chose de très puissant. Parce que moi, vous voyez, j'ai un 50 litres, qui est très sympathique, il marche très très bien, mais qui n'a rien à voir avec la puissance pour une sableuse. Alors autrement, la partie intérieure, vous pouvez mettre des pièces facilement de 80 cm sur 50 de large. Voilà. Et je vais vous montrer. Ici, vous montrer quelque chose. Je suis en train de sabler une pièce de scooter. Alors vous allez entendre le compresseur, il met même pas 15 secondes à se remettre en route pour un 50 litres. J'avais vu sur internet, c'est un 200 litres qui est proposé, enfin, qui est conseillé. Ben, je vous le conseille. Testez et non approuvez le 50. Allez, c'est parti. J'en ai fait une partie, je vais vous montrer. Il y aurait un bon compresseur, ça serait merveilleux. C'est que du bonheur. Le compresseur était plein. Et voilà, il est parti. Vous l'entendez. Et là, voilà. C'est quand même pas mal, hein, mais... c'est la surchauffe du compresseur, le principal. Si j'insiste, il va griller. Il faut veiller aussi à avoir suffisamment de sable à l'intérieur. Là, j'ai mis un sac. Manque de puissance. Voilà. Il aspire même pas le sable, quoi. C'est ça le problème. Autrement, c'est très, vraiment très très bien. Hein. C'est un pistolet qui était avec. C'est pas mal. Il y a différentes bûches. Là, j'ai mis la bûche la plus petite, évidemment, vu que le compresseur ne fournit pas assez de puissance. Alors, si je continue à le vider avant qu'il soit rempli, bien évidemment, hein, il va cramer le bestiau. Alors ça fait un compresseur suffisamment puissant. Il faut que le débit d'air soit inférieur à sa charge. Voilà, là, vous voyez, j'ai même plus assez de puissance pour aspirer le sable. Ah, il n'y a pas grand chose, hein, mais ouais. Comme les buses, regardez la buse, hein. Même la petite, vous voyez, c'est quand même assez important. Donc le compresseur, bah, tout de suite, c'est comme s'il n'y avait rien, hein, on ouvre la vanne et puis hop, l'air se libère immédiatement. Donc, trop forte puissance. Voilà, bon, je vous ai fait cette petite vidéo juste comme ça, titre d'info. Voilà le travail. Bon, il y a des gants en intérieur. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à plus.